Salut à toutes et à tous, c'est Tranuragar et on se retrouve aujourd'hui pour notre 9e épisode, le 9e épisode de la série Comment construire un village médiéval de A à Z sur Minecraft. Alors déjà vous pouvez voir que j'ai changé, enfin j'ai mis un pack de textures. Alors j'ai mis le pack Faithful 32 par 32. Alors c'est un pack qui reprend les blocs de Minecraft sans les changer. Mais il double les pixels par bloc. Donc c'est beaucoup plus détaillé. Puis c'est vrai que ça rend beaucoup mieux quand même. Et j'ai profité aussi du temps entre les vidéos pour finir le champ. Voilà. Donc j'en ferai peut-être un autre. Voilà, il est fini pour l'instant avec le petit chemin qui se promène là. La forêt, je vais l'agrandir. Donc ça nous mène à notre série. Voilà, donc pour l'instant elle fait ça, j'ai pas enlevé les gros arbres. Je trouvais que ça. Des petits arbres qui ressortent par-ci par-là, c'est pas si moche en fait. Pour l'instant je le garde comme ça. Alors aujourd'hui on va voir la tour. Donc je vous avais dit que je vous montrerai comment la faire. Bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On commence un petit peu le château quand même. Donc on est parti. Coucou la vache. Oh la tête des vaches est quand même plus sympathique avec ce pack. Bon, on est parti. Alors, déjà, il faut savoir que la tour fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je prends d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc elle fait 11 cubes par 11 cubes pour ce qui est des dimensions. En hauteur, j'ai pas encore calculé, j'ai pas eu le temps et j'y ai pas pensé. Là, il y a un côté que je pourrais pas faire parce qu'il va y avoir le donjon qui va amputer dessus, mais c'est pas grave. Moi, je vais vous montrer comment faire une des quatre façades. J'aurai les deux autres en hors caméra et puis je vous montrerai comment on rejoint les façades entre elles par les. Donc, on est parti. Alors, déjà, on va faire un carré où les 4 blocs aux extrémités seront cassés. Et on va venir poser à chaque fois des demi-dalles. On va en poser 3. On va rien mettre. Et on va en reposer 3. Voilà. Comme ça. Ensuite, au milieu, on va venir mettre des demi-dalle, on va faire une sorte de croix en demi-dalle comme ça, en demi-dalle en pierre taillée, hein. Stone brick. On va venir mettre des demi-dalles au-dessus. Oula, j'ai vraiment du mal. Comme ça. Et au-dessus des demi-dalles. Attendez que je me rappelle. Voilà, on va venir poser une stone brick et les escaliers, un qui va vers la droite et un vers nous comme ça. Faire pareil de l'autre côté. Ce que j'aime bien aussi avec ce pack, c'est que la lune derrière, elle est mieux faite. Enfin, elle est mieux faite. C'est tout simplement. Je vais remettre le jour parce que 7-0 parce que vous aurez peut-être pas évident à voir. Alors ensuite, de chaque côté, on va venir poser des escaliers, un là et un là comme ça. À côté, on va venir faire un L avec des stone bricks comme ça. De chaque côté, on va venir boucher les trous derrière qui sont apparents comme ça. Donc ça nous donne ça. Au-dessus, on va venir poser là un escalier de chaque stone brick. Au-dessus des stone brick, on va reposer une et au-dessus, on va mettre deux demi-dalle, stone
Stum Slab. Hop, je vais parler en anglais, ce sera plus simple. Ensuite, on met un escalier de chaque côté. Hop. Comme ça. Une demi-dalle à gauche et à droite. Voilà. Et on va venir mettre encore des escaliers. Un vers la droite et un vers la gauche de chaque côté. Et au milieu, en fait, on va en mettre un à l'envers. Comme ça. Ensuite, au-dessus de celui qui est à l'envers, on va reposer une stone brick. On va mettre des escaliers de chaque côté de la stone brick. Comme ça. Donc comme pour avant, on va venir boucher les trous. Voilà, on va faire des carrés. Comme ça. Donc là on n'a pas encore fini la première comment dire la première façade parce que c'est en relief hein. Parce que moi j'adore faire des bâtiments comme ça architecturaux en relief. Donc on va venir poser une stone brick surmontée de deux pierres demi-dalles. Pareil de l'autre côté, c'est vachement symétrique. Ensuite, on va venir poser encore une stone brick. Ah, je sais plus ce qu'on met de chaque côté de la stone brick. D'accord. C'est ça, je me posais des questions. Elle est par là. Alors, on va venir poser un escalier. Pareil, comme ça, au-dessus. Et là, on va venir faire notre petit. Des petits escaliers à l'endroit et à l'envers. Touc. Comme ça. Ensuite, on va reposer deux stone bricks surmontés de deux demi-dalles. Et un escalier surmonté de une stone brick. Ça fait une sorte de pyramide. Comme ça. Alors on va attaquer la sorte de deuxième partie, on va dire. Alors on va faire un pilier en fait qui va monter jusqu'à la hauteur pour commencer de notre première. Bon, on va appeler ça la pyramide, comme ça. Et en fait au pilier, on va venir poser un escalier à l'endroit surmonté de 1 à l'envers, comme ça. Là. Alors ça monte pas aussi haut. Parce qu'après on met un escalier vers nous, un autre vers nous et une stone brick comme ça. Ça donne ça. Ensuite on va venir poser une stone brick ici. Surmontée de un escalier à l'envers. Comme ça. Et on va reboucher les trous. Les trous ils sont où? Alors il y en a un là. Touc. Et un là. Alors ici il y aura le. C'est l'endroit en fait où ça va. Les deux parties vont se rejoindre. Ce qui nous donne ça. On va reproduire l'autre côté. Ça monte pas jusqu'en haut, on avait dit. Je sais plus quelle hauteur ça monte. Ici. Ouais, comme ça. On avait dit qu'on mettait un escalier à l'endroit et un à l'envers. Comme ça. On bouche le trou. Là. Voilà, il n'y a pas de bloc. Hein. Il n'y en a pas. Ici, on va venir poser notre demi-dalle. Deux escaliers à l'endroit. Un, deux. Une stone brick et un escalier à l'envers. Là, on met comment déjà? Ah oui, c'est ça. Hop, comme ça. Voilà. Et puis on va reboucher les trous. Voilà.
Ça nous donne ça. Donc on va attaquer la deuxième partie. Alors pour la deuxième partie, on va venir poser une stone brick de chaque côté, surmontée de deux demi-dalles. Un escalier à l'envers, mais en dessous on va tout de suite reboucher le trou, comme ça. Un escalier à l'envers et une stone brick juste au-dessus. Comme ça. Ensuite, on va reposer une stone brick là, un escalier à l'endroit ici. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Stone brick et un quai droit. On va poser comme un stone brick et deux demi-dalles comme ça pour faire une deuxième pyramide en fait derrière. Si on peut appeler ça une autre pyramide. Ensuite, on fait un escalier à l'endroit et un escalier à l'envers. Comment je l'avais fait? J'étais parti là. Touc. On va faire pareil de l'autre côté. Bien sûr, faut que je casse tout. Alors, 1 et 2. Voilà. Ensuite, juste au-dessus, ça va être un motif répétitif. Donc on va faire ce qu'il y a en bas jusqu'au-dessus en fait. Juste au-dessus, pardon. Donc comme ça. Avec notre demi-dalle. Et ensuite on va faire une ligne de... Ah, comment ça s'appelle? Stone brick. Comme ça. Alors de chaque côté, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un escalier à l'envers. Surmonté de une stone brick et de deux escaliers à l'envers. Pareil de l'autre côté. Un escalier à l'envers, surmonté de une stone brick et deux escaliers à l'envers. Voilà. Ce qui nous donne ça. Ça ressemble un peu à rien pour l'instant. On va reboucher les trous parce qu'il me semble qu'il y en a. Voilà, il y en a deux ici. Comme ça. Alors, que je me souvienne. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais, alors en fait ici je me suis un peu trompé. Là, il n'y a pas de demi-dalle. Mais c'est un... Il y a un trou en fait, puis on met l'autre escalier juste au-dessus. Et la demi-dalle en fait, elle va un cran plus haut. Comme ça. Ah non, il n'y en a pas là, qu'est-ce que je dis? Il y en a une de chaque côté. Hein. Désolé pour les petits oublis que j'ai pu faire, mais vu que je la fais de tête, vu que je la fais de tête. C'est pas évident du tout. Donc je reviens un peu derrière des fois. Oula. Hop là. Donc ça nous donne ça. Alors juste au-dessus, on va venir poser une ligne de pierre taillée. Comme ça. Et je vais couper le temps que je reproduis ça sur les deux autres côtés. Et on se retrouve pour faire la sorte de jointure entre les côtés et le haut de la tour. A tout de suite. Voilà, donc j'ai fini les deux autres parties de la tour avec la petite vache qui se promène en bas. Alors on va faire les jointures entre les différents côtés. Alors on va commencer par venir poser enfin reboucher le trou ici comme ça. On va monter ça. Ah bah tiens, j'ai oublié de faire le parti ici. Ça, on va le monter jusqu'ici. Non, on va le monter jusque là. Et on va venir poser une demi-dalle comme ça. Et pareil, ça nous fait un trou de chaque côté, donc on va venir les reboucher.
Magnifique coucher de soleil. On va mettre le jour. Voilà. Donc ça nous donne ça. Ensuite, au-dessus, on va venir poser des blocs jusqu'en haut. Comme ça. Et on va venir boucher les trous. Donc faut faire ça de chaque côté de la tour. Ça va relier en fait. Donc, je vais le faire l'autre côté. Donc on bouche les trous là. Et on monte. Donc, hop. On monte jusqu'ici. Où là on va venir mettre une demi-dalle. On continue à monter jusqu'en haut. Et on vient boucher les trous de chaque côté. Comme ça. Alors par contre, j'ai un petit trou pour après. Ah, comment j'avais fait? Ok, d'accord. Alors, on va venir prolonger ici les blocs de chaque côté et au-dessus, on va poser une ribambelle de demi-dalle, comme ça, tout autour. Et on va faire un dernier côté. Alors, chaque jointure ici, on va venir mettre. On va venir mettre une demi-dalle. Alors, la demi-dalle, elle est où? C'est ça. Un bloc de glace. Bon, il est bugué. Pourquoi pas? Non, une demi-dalle de stone. Alors, on va la poser. Que je me souvienne. Ici. Voilà, donc on va poser de chaque côté. Et donc on va commencer les créneaux. Alors les créneaux, on va poser un escalier à l'envers. Voilà. Surmonté de... Bon, deuxième petit trou. Je le trouve parce que c'est vachement compliqué à reproduire. Donc on va venir poser au-dessus une stone brick comme ça, et ça on va le reproduire trois fois, enfin encore deux fois, à deux blocs d'espace à chaque fois. Ensuite on va venir mettre une stone brick vers la gauche et vers la droite à l'envers comme ça. Juste au-dessus, on va poser un deuxième bloc de stone. Hop. Et on va faire la même chose. Alors là, ça fera les sortes de rambardes. Touk. Et donc on va faire ressortir les créneaux. Alors pour ça, on va venir poser donc des escaliers à l'envers. Un escalier à l'endroit juste au-dessus. Et un escalier à l'endroit à l'autre côté comme ça. Produire ça sur les trois côtés. Donc ça va faire ressortir, ça va être sympa. Hop là. Ça nous donne ça. Donc je vais le reproduire de chaque côté tout de suite. Hop, puis après on verra pareil la jointure de d'espace. D'espace, on va en poser une dernière de l'autre côté. Ouais, je trouvais pas l'endroit parce que je l'ai pas fait. Comme ça, on va venir poser un bloc de chaque côté, de chaque côté, au-dessus de chaque escalier, comme ça.
On va reposer un bloc au-dessus. Hop. Avec les escaliers. Comme ça. Puis on va venir faire nos créneaux qui ressortent. Donc en mettant à l'endroit et un autre à l'envers. Et les sortes de rambardes. Je vais pas faire le troisième côté, je le ferai pas en vidéo, pas besoin. Je vais juste vous montrer comment on fait le sol. Et puis la tour, bah ça sera fini. De toute façon, je fais pas le dernier côté parce qu'il y a le donjon, mais vous avez juste à reproduire ce que j'ai fait tout du long en fait, de chaque côté. Alors ici aussi, on va venir poser escalier comme ça. On va laisser le trou derrière. Ah non, on va pas laisser le trou. On va venir poser les demi-dalles comme ça. Et on va venir reposer les escaliers au-dessus comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bah attends, non, je le ferai là hors caméra. Donc pareil, hein, ça vous le reproduisez bah, sur les quatre côtés. Et donc on va faire le sol. Alors le sol, je vais vous tracer la délimitation. Alors quand vous aurez fini, ça vous fera un carré de cette taille-là. Et hop, ça fera un carré comme ça. Voilà. Alors, vous allez venir poser trois escaliers. Donc ce sera un sol où il y aura du relief. Donc, trois escaliers comme ça. Les demi-dalles en diagonale. On va reproduire ça sur les autres côtés. Mon ordi commence à bugger. C'est pas cool. 1, 2 et 3. Ah là là. Et on met les demi-dalles. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, on va venir poser un escalier à l'envers de chaque côté. Un autre ici. Puis pareil, de chaque côté, c'est répétitif. Mieux. Oh là là. Au milieu, pardon, ça nous donne un cercle. Alors on va faire une croix. Alors la croix, comment on va la faire? Bah tout simplement, on va venir transformer le cercle en carré. Comme ça, poser des demi-dalles à chaque extrémité du carré et une autre demi-dalle au milieu comme ça me donne une croix. Et pour finir, les escaliers comme ça pour donner le relief. On a l'impression qu'il va y avoir des trous dans le sol, mais ça gêne pas pour la marche. Donc bah, on a fini la tour. Ou du moins le côté qui m'intéresse. Donc je vous laisse reproduire le reste vous-même. Comme pour l'autre le rendu, franchement je trouve ça magnifique. Hein. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner pour suivre la construction du village et du château. Là on s'est lancé dans le château, donc on va le continuer. Prochain épisode, on fera sûrement les murailles. Hein. Je vais voir comment je vais les faire. Voilà. Ciao, ciao.